Je suis bénévole sur le Tour du Limousin parce que j'ai toujours travaillé dans le bénévolat, j'ai toujours aimé le cyclisme. Et donc, comme il y avait besoin de personnel sur le Tour du Limousin, ben, me voilà arrivé. Et je fais ça depuis quelques années déjà. Je suis responsable du village départ du Tour du Limousin. Mon équipe se compose de 7 bénévoles. Nous avons 7 tonnes de matériel tous les jours à déplacer, à démonter, à remonter. Nous mettons 3 heures à peu près pour faire ça. 3 heures pour l'amener à une autre commune et 3 heures pour le remonter. Le village se compose de 26 toits. Toutes les communes qui nous reçoivent branchent l'électricité, l'eau, le téléphone. Et le soir, nous offrent le repas pour les bénévoles qui ont monté les structures du village. Tout ce matériel appartient au Tour du Limousin. Village départ, c'est les meilleurs! Ouais! Claude Faimendi, 42e tour, c'est parti? Ben oui, bien parti d'ailleurs. Dans quelques instants, les coureurs vont se lancer pour 4 étapes à travers notre beau Limousin. Encore un beau programme, 4 belles étapes? Oui, 4 belles étapes, oui, de valeur assez sensible, de même niveau, les 4 jours avec peut-être. Un parcours un peu plus hard sur la Corrèze. Il y a 22 équipes, vous avez pu voir, des équipes de très haut niveau, avec le coureur qui a fait 3e aux Jeux Olympiques, Machka, chez Tinkoff, et puis une pléiade d'autres coureurs de très bon niveau qui sont dans toutes les 2e divisions et les 4 autres équipes Pro Tour. Donc je crois qu'on va assister à un grand spectacle. Je suis le responsable des camions froids. Tous les matins, nous avons 250 paniers repas à faire pour les bénévoles et les gens de la caravane. Il y a une bouteille d'eau dans le panier repas, un fromage. Un jour, c'est du jambon, un autre jour, c'est du rôti de porc, une pomme. Et tout ça, c'est distribué le matin avant le départ des coureurs. Pompiers d'urgence internationale pour la première fois autour du Limousin. À la base, notre ONG est partie de Limoges. Le président fondateur Philippe Besson, qui a créé cette ONG il y a une dizaine d'années, qui a maintenant atteint 140 personnes, des pompiers volontaires, des pompiers professionnels, des métiers de tous les ordres, infirmiers, médecins, des vétérinaires, des pharmaciens. Nous intervenons à l'étranger lors de toutes les catastrophes, que ce soit des tremblements de terre, des typhons, comme Haïti, Philippines, les plus grosses catastrophes que nous avons faites.
Nous avons envie de nous faire connaître un peu plus notre public. Le but du GES, c'est de recueillir de l'argent pour qu'on puisse continuer à pérenniser notre ONG. Quatre hommes en tête avec 3 minutes et 40 secondes d'avance sur le peloton. Aujourd'hui, le fait d'être sur le Tour du Limousin m'apporte beaucoup. On n'imagine pas tout le travail qui est fait en amont avec tous ces bénévoles qui travaillent derrière ce Tour du Limousin. Et on peut se rendre compte qu'en fait, quand on est coureur cycliste, on n'imagine pas tout ça. Quoi. Donc aujourd'hui, je me rends compte de ça et c'est vraiment... On tire un grand chapeau à tous ces gens-là. Chaque arrivée d'étape, on me donne le leader sur le maillot jaune, le maillot à pois, le maillot vert et le maillot blanc. On me donne un numéro d'équipe. Moi, je regarde la correspondance avec le papier transfert et je le transfère à chaud sur le maillot à l'emplacement prévu à cet effet. Je prends mon papier, je mets le maillot sous la machine qui monte à 200 degrés et on transfère à chaud et l'encre vient teinter le tissu pour le protocole. Et le coureur aussi porte le maillot le jour de la course le lendemain. Vous avez combien de temps pour faire ça ? 5-6 minutes pour faire 8 maillots. Avec eux des croix qui arrivent en file indienne à l'entrée de la dernière ligne droite pour aller chercher la victoire dans l'étape du jour. Il faut surgir devant nous. Colbrelli est-il celui-là, le coureur italien ? Effectivement, donc le bonheur de Colbrelli, le vainqueur de l'étape. Le deuxième est Rada Lopez. Allez les mains en l'air, on applaudit Sonny Colbrelli, le coureur italien, vainqueur de l'étape. Maillot jaune à 24 heures de l'arrivée finale à Limoges. Demain, nous partirons donc de Saint-Léonard de Noblat.
49e tour du Limousin, départ Saint-Léonard. Ça fait quelque chose quand même, non? Oui, bien sûr, départ Saint-Léonard, c'est là où je réside, oui. Saint-Léonard, et puis le départ réel se fera à Chamelterie. Chamelterie, c'est à 7 km d'ici. Et c'est là que je me suis marié. Je me suis marié là en 61. Alors là, maintenant, je réside depuis de nombreuses années à Saint-Léonard-Noblat. Mais avant, mes parents exploitaient une ferme à Vaux, c'est-à-dire à Chamelterie, voilà. On me rend doublement hommage. Alors on va parler un petit peu vélo. Trois étapes se sont passées. Oui. Trois belles étapes. Deux belles étapes très disputées. La première étape où les coureurs nous ont offert un spectacle extraordinaire. La bagarre a une moyenne record. Deuxième étape a été, au point de vue sportif, moyenne, puisqu'il y a eu une échappée. Et puis derrière, il y a eu le train-train avec l'équipe BMC qui a contrôlé la course. Et la troisième étape où tout a failli basculer, une bagarre terrible tout au long de la course. Les BMC ont eu du mal à contrôler la course jusqu'à la fin. Il va falloir attendre le dénouement de cette dernière étape, les derniers hectomètres, et ça risque peut-être de se jouer au point aux bonifications. Voilà. On va changer de sujet, c'est quand même l'année des 80 ans de Raymond quand même. Hein. Oui, combien de fois il les a fêtés cette année, ces 80 ans? Oui, ça se dit. J'ai eu 80 ans le 15 avril dernier. Bon, on en parle toujours. C'est toujours d'actualité. Je crois que je suis jusqu'à... Au mois de décembre, on parlera des 80 ans de Poulidor. Ça fait plaisir. C'est l'année où Poulidor a eu 80 ans. Quoi. Ça fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. Aujourd'hui, c'est départ Saint-Léonard. Voilà, on ne m'a pas oublié. Actuellement, 11 hommes en tête avec 3 minutes d'avance sur le peloton. Le 49e tour est terminé. Un beau tour, on va dire, cette année? Oui, un très beau tour. Quatre belles étapes, et puis avec une organisation sans faille, j'ai des collègues qui sont très bons. Un beau vainqueur, hein, un Américain pour la première fois qui gagne le Tour Limousin. Le 49e tour est fini, le 50e arrive. Est-ce qu'il est prêt, je suppose? Ah oui, il est prêt. Nous partirons de Limoges le premier jour. Pour arriver à Rochechouart, la deuxième étape sera Saint-Étienne-de-Fursac pour arriver au Maupuy. La troisième étape, il s'agit de Saint-Pantaléon-de-l'Arche pour finir à Chaumeil, il n'y a que trois tours du circuit du Bol d'Or.
et la dernière, Saint-Junien, pour arriver ici même à Limoges. Quatre belles étapes quand même là. Ouais, ça va être un peu plus musclé que cette année, oui. Merci Claude, et vive le 50e. Voilà, vive le 50e.